In this lesson, we will discover two words that are written differently but pronounced the same way. Roue, rou. So let's start with the first one, rou, and we will have two sentences. Le vélo a une roue avant plus grande que la roue arrière, ce qui lui donne une allure unique. Le vélo a une roue avant plus grande que la roue arrière, ce qui lui donne une allure unique. So in that situation, we can see that roue is a noun and it's a feminine noun, une roue. L'enfant était fasciné par le mouvement des roues de la voiture pendant le voyage. L'enfant était fasciné par le mouvement des roues de la voiture pendant le voyage Same thing here as you can see it's the plural form so even if it's in the plural form with the final s it will be pronounced exactly the same way roue Let's have a look at the second one with two examples Son chat a un pelage doux et roux qui brille au soleil son chat a un pelage doux et roux qui brille au soleil. In that situation, roux is an adjective and it's the masculine form here. Les cheveux roux de la jeune fille étaient magnifiques et se démarquaient dans la foule. Les cheveux roux de la jeune fille étaient magnifiques et se démarquaient dans la foule. So here it's the same adjective rou, but you can see that it's connected to les cheveux, so it's in the plural form roux. So let's remember: the first one was a noun, and it's a feminine noun une roue, la rou, and here it's an adjective. It can be in the masculine singular or it can be in the masculine plural form rou.